démarrer ce mois de juin le 30, parce que oui, il y a bien 30 jours en mai. Bah oui. 31, pardon. Et ben on a déjà été faire un tour à Beaune pour faire de la photo. Bricocage. Vous avez kiffé, bricocage, vous avez kiffé. Ouais, hein. Le parking, ouais. Il était très beau. Hein. Ah, le parking était beau. Hein. Il y avait des camionnettes. Voilà. Et là, on se retrouve, chers frères et chères sœurs, pour vivre un moment unique, un moment émouvant. Je suis sûr que papa va verser une larme. Peut-être deux. Je vais enlever mes lunettes. Ah, si tu veux, ouais. Je sais pas si on le voit bien. On est à 19 997. Oh là, dans 3 km. Ouais. Un moment émouvant. Ah. 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 Oh, regarde le compteur. Ah. 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 C'est un accouchement. Pas encore. Maintenant, en 99. 99. Ah. 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 Tu tends le bâton, tu vas faire taper. Heureusement que t'as pas 200 000. Hein. 200 000, ça y est. Yeah. Bonne fête maman. Merci pour les Ouais, c'est pas un pain normal, c'est... Même si elles sont belles, mais belles, c'est fou. Ouais, c'est déjà une épée. 10 000 feuilles d'agrumes. Ouais, mais moi, j'ai... Hey, moi, la différence à ta mère, elle est dans mon assiette. Et en plus, regarde, ça va bien avec l'assiette. T'as vu la couleur, là? Waouh, bravo. Donc me voilà en route pour retrouver Pauline, direction la gare routière.
Et c'est finalement à la Panobie, Panobie comme Biel, que nous nous retrouvons avec Popo. Alors, elle a toujours plus de batterie. Qui a plus de batterie? La dernière fois, t'avais plus de batterie déjà. Eh ben écoute, elle est faible, mais je ne l'ai pas chargée encore en deux jours. C'est vrai que la deuxième batterie, elle est à la maison. C'est pas vrai, il fait très beau. Regardez, il faut regarder le ciel là-bas. Forest, looking for antique treasures. She has a weapon, she's dangerous. She's wild. Very wild. Bears? Non, les camps, boars. Ça fait les sangliers. Boars, je crois. Elle peut courir dans les montées, comme Luca. Elle s'arrête pour m'attendre, comme Luca. Elle se retourne et me nargue. Comme Luca. Hein, Luca, on pense à toi, tu vois. C'est les Alpes, c'est pas les Vosges. Jusqu'à la fin de l'été. Allez, fais un burn. Bye bye Pauline, je vais voir encore en vitesse, oui, parce qu'on a quelques heures. Nicolas qui me rejoint ici d'Antibes. Et là je suis du coup à côté de la place Masséna. Ça peut être sympa le sud de temps en temps, on va pas se mentir. Là, un peu de palmier, un peu de soleil, ça fait pas de mal. Et oui, promis, j'enlève bien cette veste. Promis, pour pas faire mon bronzage. Hey, hey. On pense à vous. C'est parfait. Ah non, pas parfait, mec. T'es à moitié sur la photo. Thank you.
Attestation. Oui, c'est ça, il faut qu'on se dépêche. Après, tu protèges ça quand même, bien faire. Ouais, mais ça va aller. Là. C'est un pont d'autoroute qu'on vient de faire. Un pont d'autoroute. Ouais, du coup, on n'aura pas fait la Sainte-Victoire, on se serait arrêté avant. On n'aura pas été à la Croix de Provence, on se sera arrêté un peu avant parce que le chemin est un peu technique. Alors, moi, du coup, je passe une bonne partie de mon temps. Attendre. Et effectivement, c'est mais la vue est belle au moins et puis il fait bon. Mon père évidemment est un warrior et donc s'il n'y arrive pas. Moi, tu es plus warrior. Moi. C'est vrai, dû me prendre avec la bouteille deux fois. Bah, j'ai pas eu le temps de dégainer. Attends, tu buvais goulûment et t'as pas bu longtemps, hein. Voilà. La bagnole, c'est sûr que... L'orage, c'est dissipé là-bas. Oui, c'est dissipé. Bienvenue à la maison! On va ouvrir ça, on va voir si j'ai. Tu as eu un gros colis! Un brocoli! Un brocoli! Yes. C'est un peu comme une brute, hein, mais. Alors attends. Voilà ce qu'il y a dedans.
qu'est-ce que ça représente en composant? C'est honteux. Voilà. Je vais les avoir les quatre. Voilà. Ça. Là-dedans. On se pose des questions, hein. Ouais. So I barely had the time to come home that I'm leaving already. On repart direction Paris. Ça sent la fraise, ce masque, étrange. Mais ouais, direction Paris. Zwei Stunden später. Doritos, ça, il s'est emmerdé. Hein. Il s'est emmerdé. T'as pris des Doritos? Ben oui. Au fromage? Oui. Mais non, j'ai fait une Doritos au fromage. Est-ce que le maître de maison nous présenterait le vin qu'il nous a choisi? Alors, c'est de la villageoise, mais en blanc. Non, c'est du Chablis premier cru. Ouais, voilà, c'est un Bourgogne, un blanc, parce que avec le Bourgogne, il n'y a que en Bourgogne qu'on sait faire du vin. Voilà, quoi d'autre? Là, vous avez, alors ça, je l'ai fait moi. Je m'appelle Rodolphe Bordeaux-Chenner. Ah, c'est parce que tu as fait un comme avec Glamouze, tu as fait un partenariat. C'est ça, mais un partenariat avec moi-même puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc je vous ai fait une petite rillette au poulet parce que évidemment ici, voilà, il y a que ça qu'elle aime. Et j'ai beau me décarcasser à faire tout le reste, elle va manger de ça. Et le melon. Et le melon, voilà. Ah, le melon. Et le melon, devine ce que j'ai dessus. Du jambon serrano. Non. Du pata negra. Du pata negra. T'es mon dieu, tu sais ça. Ouais, je sais. C'est l'été, c'est les vacances, c'est la fête. Dans le cul. Ouais. Pardon. Du coup, c'est quand papa et maman divorcent? C'est quand la date? Je sais pas, mais on est même... 2023, non, mais d'abord, il faut qu'on fasse le mariage. Ouais, c'est vrai. Ça, on se marie en 2022 et on divorce en 2023. On avait dit 2024. Le divorce ou le mariage? Faut le temps de faire le gamin quand même. Papa et maman ont pris une grande décision, les enfants. Et tata. Et tata. Et tata. Ils ont pris une grande décision. Camille, est-ce que tu veux redire? Le 12 juin 2031, nous serons partis de Paris. Voilà. Si vous n'êtes pas de Paris, qu'est-ce qui se passe? On divorce. On part de Paris. On part de Paris. Vous lâchez tout en place, ouais. L'appartement, tout. Et on se casse. Les enfants aussi dans l'appart. On balance l'appartement. Non, on balance pas les enfants, on les garde. Ah, c'est les enfants. On garde mes chéris, hein. Voilà, franchement, ça m'irait beaucoup. Parce que j'avoue que sur les charges. Nani Corée. Le problème, c'est que elle, soit, j'ai 1500 euros d'impôts. Ouais. On met 3 mois. Ça fait mal au cul. Et t'as 4 missiles. Ouais, le quai des missiles, c'est bien. Ah, oh non. C'est pas ces machins verts qu'il faut que tu cibles. Ah si, je l'ai eu. J'ai mis ces missiles. Ah. Ah merde, c'est pas ça que tu fais. Pour dire que t'es bien arrivé. C'est vraiment papa qui dit à... ouais, ouais. Qui nous dit quand t'es bien. Oui, au revoir papa, au revoir maman. Ciao. Allez, ciao. Ouais, et c'était fait, je passe. Hein. Dio. C'est Paris. Mais oui. Ouais, c'est vraiment une. Allez, 2, 3. C'est comme les Alpes. Maintenant, on passe à la phase 2 du séjour. À savoir. Je me gagne juste derrière. Phase 2 du séjour, maintenant, je vais chez Baptiste pour aller faire le court-métrage de Baptiste. Donc, changement de décor. Là, on est dans le 17ème, à côté de l'arc. Alors, quand on me demande qu'est-ce que ça fait de partager un ascenseur avec. 80 000 euros, je dirais pas grand chose, j'ai l'habitude. Et surtout là, mais ça c'est le magot. Peut-être que je m'enfuirais, je prendrais un train aujourd'hui avec, je ne sais pas. Si j'arrive à me réveiller. Alors finalement, j'ai accepté de
de relâcher le magot par amitié. Mais du coup, je me retrouve dans une chariote de la mort, dans la ville de la mort, en compagnie du chef op de la mort. Hashtag Darkbat88, c'est ça. Comme a dit un jour, tu me filmes jamais en train de travailler. Et là, l'autre panne, je peux pas te le voir. En vrai, c'est magnifique. Je vois pas mieux. Pardon. Tu sais, elle a réduit en taille la mini quand même. David, tu peux venir faire le point? Je peux venir te faire le point. Je peux te confier ça, Mickaël? Ouais. Putain, mais là, ouais, mais alors là, wow. Encore quoi.
Putain. Et photo de profil là. LinkedIn, tout ce que tu veux là. Ah, tu rigoles, LinkedIn. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est fun, hein. Ça fait bien kiffer. Parce que sinon, on aurait pu faire juste la scène. Par contre, c'est pour le prendre, c'est bien, mais t'inquiète, c'est bon, mais c'est pour ça que t'as un mal. Donc là, les plombes, voilà. Tu vois, Laura, je suis obligé de mettre. Tu sais, je me fais ça. Oui, si t'arrives. Ah, moi, ça va, excuse-moi. Merci pour aller se coucher. Ouh, brr, brr. C'est la bijoute que j'ai. Tu fais un mec, c'est la bijoute des années 50. Bon. C'est quoi le bail? 4h, le lever 4h15, je pense. On va pas dire ça, on va dire parti de la maison à 4h50. Et là, je me mets sur le chemin du retour, 21h32. So much for horaire syndical. Non, bon voilà, c'était une bonne journée, on va pas se plaindre, mais c'est vrai que c'était un peu éreintant. J'ai bu du café, c'est vous dire à quel point ça l'était. Voilà, lui il sait pas ce qu'il veut faire, c'est un Allemand. Et pas besoin. Allez, avance. Et du coup, petite pause pour les tournages jusqu'à la semaine prochaine. Et ouais, dormir. Je l'avais oublié dans la voiture. Le mec du KGB là. Oui, c'est ça. Tu la tiens droite comme ça pour la déco. Ouais, non, c'est une façon de. Tu vois, regarde. Moi je le regarde là. Moi je le regarde. Oh, tu regardes, mec. J'en ai au moins attrapé un. Il y en a quelques-uns qui peuvent s'asseoir. C'est pas urticant ton arbre là, t'as les épouses à travers la terrasse là. Non, ça fait juste gonfler. Attends. Allez, pardon là, pardon, bon, je te fais un mini hop là. Oh là, putain, reste dedans pas, tu tombes dans les poules. Ouais, ça repousse, hein, c'est. Ouais, c'est allez, ouais, c'est un coucou. À tout le monde dit Covid. Covid. Cluster. Confinement. Et tout le monde dit variant Delta. Variant Delta. Et puis maintenant, vous me faites tous comme ça. D'accord. Oh, oh. Et tout le monde fait un toucher rectal. Maintenant, THX. Non, c'est pas THX, c'est THX. Là, c'est la prise. On voit pas. Ah, bah c'est génial. Il y a les basses. Il y a les basses qui arrivent. Donc j'espère que la projection va vous plaire parce que je suis heureux du travail que vous avez fait devant la caméra, je suis fier du travail qui a été fait derrière, du taf qui a été fait après au niveau du montage. On a un magicien à la musique qui nous a mis tout ça en son et amélioré ce qui était déjà bon et l'a rendu à la limite même plus de véracité, plus de punch. Et là où je suis très content, c'est qu'il y a un rythme dingue qui est un peu le reflet de ces 3 jours de tournage qui ont été quand même assez soutenus et ça a été possible grâce à vous. Donc je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne projection. Thank you.
Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us. But I don't know where to begin. But I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Hold me near me, tired. Yeah. Est-ce que j'ai une gueule d'éclaté ou pas? Hein? Bref, grosse journée. Et ben non, il faut qu'on fasse le chemin retour, donc on va bien dormir, ça va faire du bien quand même. Je suis pas super chaud, il fait ici. What a day. Allez. Bah ouais, chérie. See us again.